les pessimistes chroniques. Alors, quand je parle des pessimistes chroniques, personne n'est concerné. Je rencontre un jeune homme à la FNAC à Paris dernièrement et on discute un petit peu de notre travail. Vous m'avez aidé, Franck. Grâce à vous, j'ai créé mon entreprise. Il y a beaucoup d'entrepreneurs ou de gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat ou qui changent de carrière grâce à nous. Et il me dit, alors tu habites où, Franck? Bah, je dis, tu sais, si tu me suis un petit peu, tu verras qu'on est à Montréal. Oh là là, je connais pas le Québec, le Canada, mais j'aimerais tellement vivre là-bas. Je sais que l'immigration, ça a beaucoup changé. C'est difficile pour immigrer. Et je dis, pourquoi tu veux quitter Paris? Mais il me dit, moi j'en ai ras-le-bol des Français. Je dis, bon, pourquoi? Ah, ils sont négatifs, ils protestent toujours, les gilets jaunes, j'en ai marre, je suis dans mon entreprise, ça jacasse, alors j'en ai ras-le-bol. Et puis, il me fait une litanie négative et je lui dis, mais qu'est-ce que t'es en train de faire en ce moment? Ah ben quoi, c'est vrai que j'aimerais un petit peu plus de positivité quand même. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais depuis 3 minutes? Et là, il réalise qu'il était tout aussi négatif que les autres. Quand vous vous plaignez que les autres soient négatifs, constamment, qu'est-ce que vous faites? Vous focalisez sur quoi? Vous pensez à quoi? Vous comportez comment, à votre avis? Donc attention aux pessimistes chroniques. Et quelqu'un qui a le profil du pessimiste chronique, c'est quelqu'un qui a énormément peur de l'échec. Donc travaillez sur cette peur de l'échec. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent absolument pas échouer. Sauf que quand tu as peur de l'échec et que tu ne mets pas en mouvement, c'est déjà un échec. L'échec n'existe que si tu as peur de te mettre en mouvement. L'échec n'existe que si tu gardes le genou à terre. Ça, c'est l'échec. Ça existe! C'est parce que tu as abandonné. L'abandon, c'est l'échec. Et quand tu as peur de l'échec et que tu abandonnes déjà avant même d'avoir tiré ton premier but, tu risques pas d'en marquer un seul.